Bise, Luc Morvan, vainqueur à Nison, à Landerneau, mais également sur le Grand Prix du Anglais, quatrième sur le Tour du Morbihan. Classement donc dès à présent le passage à 5 tours avec le classement du meilleur grimpeur. Ce sera le quatrième classement distinctif de l'après-midi avec 4 coureurs et pas des moindres. Et notamment donc avec Julien Jamou, le voilà qui est impressionnant d'aisance au moment du passage à 5 tours de l'arrivée. Passage à 5 tours, je vais dire donc notamment avec Gaëtan Billon. On avait retrouvé également les autres coureurs au niveau de la contre-attaque, que ce soit avec d'autres coureurs qui étaient bel et bien dans les points, puisque notamment donc cette fois-ci le passage avec un retard qui est porté à la minute et aux 10 secondes, dernier écart donc qui a été pris en considération. Une bise, merci de les encourager à votre manière, que ce soit avec d'autres coureurs. Donc c'est la poursuite justement des 4 coureurs précités à l'image des autres représentants de la formation. Tous ces coureurs qui évoluent, également avec des coureurs qui sont bel et bien sous les couleurs du team Bricomet Cotentin. Passage pour les uns les autres à cette fois-ci, ici avec les Briochins, tout comme également avec les autres coureurs portugais. Le passage messieurs, 5 tours pour l'arrivée. Bonjour également à Pléra, salut également le partenaire que sont CDG, Tecra Alliance, Ouest France, premier quotidien de France, Destin Infratech, Cuisine et Passion, Les Lauriers, le Crédit Mutuel, de Bretagne, les établissements Shimano, ainsi que Marcel Roux à Platel, le magasin Intermarché, et le partenaire également que sont le Conseil Général départemental des Côtes d'Armor, la ville de Platel et Saint-Brieuc. Donc, après l'agglomération, M. Mablefur nous a rejoint, M. le député Roger Parc, donc toujours présent chaque année sur l'arrivée de Platel. C'est le lancement officiel de la saison. Allez, il y a un plaisir, sur une camion finalement de Platel chaque année. Le pointeur de tête pour la team, dernier écart messieurs, 1.05 avec sur le relais, ce sera Julien Jamot, dernier écart, 1.05, deuxième position avec l'un des représentants de la formation de Vincent Dittelin, valeur de l'encourage, il en faut au niveau de cette organisation, les mains qui vont se lever s'il vous plaît, pour les saluer à votre manière. Le passage, notamment avec les autres coureurs de la formation de Lucie Biagine. On va les retrouver donc aux abords de ce podium pour le coureur de Michel Gouéler, c'était Mathis Lemaire, le coureur du quatrième du championnat de France. Les coureurs également de la formation, des coureurs Maur, on pense notamment à Victor Gernalec, qui était hier en 10e position sur la belle Rambaise. En revanche, où figurait notamment celui qui avait été l'an passé, le deuxième de cette organisation, Frédéric de Barrec. Tous ces coitinets, nous sommes également avec les coureurs de l'UC Briochine. Je crois savoir avec Gagnon, le voilà donc Gagnon qui revient à la compétition. L'ancien Jean Toléré, notamment Chèque également, qui figure au sein de ce groupe ici pour celui qui avait été le deuxième à l'occasion d'un championnat de France de poursuite. Passage, messieurs. Thank you.
Allez Kevin, allez, allez, allez. Julien Jamou, seul en tête, le passage également que ce soir, mais de ses côtés, sans crainte de peur, puisque l'on était avec Thibaut Dervez, le vice-champion de France des juniors, champion de l'Europe. Alors qu'ensuite, d'autres représentants de la formation de Châtelain, et notamment son voisin du pays de Châtelain, Malek. Ensuite, quatre autres coureurs, David Chauvin, qui était calé dans ce quatuor à l'entame du dernier tour. Prochain tour, messieurs, c'est l'arrivée. Arrivée pour les uns des autres. Nos amis de l'UCP Ochu de passage pour les uns les autres. Messieurs, passage qui se tient à l'entame du dernier tour. Prochain tour, c'est l'arrivée également pour l'ensemble de ces coureurs. Et d'autre part, donc, avec les établissements très gorsonnants, puisque tout à l'heure, deux coureurs qui étaient lancés. Avec seconde passe, risque de lui coûter cher dans cette première année. Donc, pour ces deux hommes, il va falloir être fort à l'avant de la course. En la soutenance qu'il avait remporté la victoire ici à Plaintex, ça fait déjà 6 ans de cela, les autres coureurs, notamment avec nos amis du team Bricomec, le passage qui se tenait, c'était bel et bien un tour de l'arrivée, ce sera le cas également, le mélange du pays de Lillien, plus et Briochine, mais sûr pour l'arrivée, un tour avec deux coureurs donc, au niveau de la contre-attaque qui part, on l'avait cité avec le coureur des Côtes-d'Armouk, il a une belle carte à jouer pour celui qui a été le vainqueur de cette organisation 2014, qui a eu l'occasion de remporter également l'étoile de Tressilio, double vainqueur du Grand Prix de la Pentecôte à Montcontour, qui a été le vainqueur d'étape également sur la Flèche d'Armor, le deuxième également à l'occasion d'un championnat de Bretagne sur le ciel. Merci avec celui qui avait connu les joies de la victoire l'an passé pour le prix de Daniel Langeas, double vainqueur sur le maillot des jeunes en l'accueil de l'Union Sévoire. Julien Jamou, le voilà, double victoire donc pour celui qui avait laissé le podium également à Montfort-sur-Ville sur le Grand Prix de Lincoln. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements, encore plus fort pour l'accueillir ce qu'on va. Merci de recevoir votre manière, Julien Jamou, superbe vainqueur. On va accueillir ensuite les autres coureurs qui seront du bonheur en deuxième et troisième position. Ce sera la lutte pour le podium, notamment avec la deuxième et la troisième place, que ce soit avec Mathieu Gauthier.
qui est tout comme également avec à ses côtés, on l'avait cité, on était bel et bien avec Thibaut Dervaise, le vice champion de France, pas de problème avec un ancien vainqueur de cette organisation, Mathieu Gauthier, deuxième, troisième, ça sera l'arrivée également pour le vice champion de France, onzième de championnat du monde, Thibaut Dervaise, le coureur de la région de Châtelain sous les couleurs des Côtes d'Armor, Marie Morin qui termine troisième, la lutte également pour les autres, attention également que ce soit avec d'autres coureurs, du moins pour les coureurs qui seront dans les points, notamment tout à l'heure avec la sélection du comité de Bretagne, Emmanuel Moisan, le champion de France de la course au point. On a salué également aux abords de ce podium, on était bel et bien avec, on avait salué Victor Gernalec, le deuxième de la Mégrandaise qui était là aussi pour la plate d'honneur. Ce sera le cas également pour les autres coureurs du Pays du Nord. Et voilà, on les retrouve ici pour les autres arrivées. Quelle arrivée au sprint! Regardez le superbe, superbe sprint. Mathis Lemaire, je crois savoir donc, pas de souci avec celui qui avait été le quatrième à l'occasion de la chantation. À l'ensemble des coureurs, quelle que soit la position. Pour les autres plates d'honneur, peut-être avec le régional de l'étape, Yann Roux. Yann Roux, pas de problème. À ceci près également, on aura la possibilité d'encourager à notre manière, puisqu'on était Ilan Couerne, le vice champion du Finistère, le régional Yann Roux, l'ancien champion de Bretagne du contre-la-montre qui avait remporté la grande côte à mon retour. Il était l'an passé en deuxième position, deux fois deuxième du plat Trintel. Frédéric Camarec, de la côte de David Rose. Ce sera l'arrivée également Adrien Guignon, je crois savoir, qui était aux abords de ce podium de l'émotion. Confirmation donc avec celui qui a été le prix en vainqueur l'an passé sur le classement général de Saint-Brieuc-le-Tour. On le remercie lui aussi pour avoir franchi la ligne. Ce sera autrement l'arrivée avec les autres coureurs normands, certains qui ont déjà beaucoup travaillé. Et je pense notamment à celui qui était initialement sur le commandement au niveau de cette organisation, Lilian Bourneuf, qui a été à 20 reprises en plein d'honneur, notamment sur le tour de Mortain. Et Valtel, le coureur de Fabrice Plévin, quant à lui également pour l'arrivée, on les salue pour l'ensemble de ses coureurs, puisque c'était l'arrivée à l'instant présent. On était avec Ilan Larmet, qui était l'an passé sous les couleurs du vélo club du pays de l'Oudéac. On attend en revanche le voilà, Kevin Sanoudi, qui avait été le lauréat du Flintel-Flintel en 2011, qui a été le deuxième sur le tour de l'Estavant. Mesdames, messieurs, c'est l'arrivée pour les autres plateaux. Ce sera l'arrivée également ici pour les autres coureurs. Regardez le déboulé pour les plateaux. Dès à présent, l'arrivée en sprint avec les coureurs de Fabrice Plévin, qui va prendre le meilleur. On laisse les commissaires en découvre. J'ai le plaisir de saluer également le régional de l'étape, Dorian Allaire, propre vainqueur en 2018, notamment à Côte-Sorel dans le pays de François Hamon. Nous sommes autrement avec le Loudéacien de service. C'était l'arrivée, cette fois-ci, ça concernait Nolan Maudo, le champion départemental, celui qui a été le lauréat sur le Grand Prix de Montpinchon, deuxième sur le Grand Prix de Poué, sur la flèche à Prétrenaise, sur l'organisation de Michel Mahé, et Brie Bellax également, qui était pour l'arrivée, le coureur de la région de Diller, l'ancien vainqueur durant cette grande étape sur la flèche d'Armeur, et deuxième sur la moyenne des classiques en Bretagne, sur le Redon-Redon. On aura à cœur de saluer également Pascal Arnois, le voilà. Pascal Arnois qui avait été le deuxième des chemins Leclerc, le troisième du Grand Prix Super U. Deux autres coureurs dont ce sera l'arrivée dans un petit instant. Je pense cette fois-ci à nos amis du team Bertrand Bancolazou, qui est en manchette également, le multiple champion de Bretagne sur piste, deuxième de championnat de France de la poursuite par équipe. D'autres arrivées au sprint, que ce soit avec la sélection régionale, tout comme également avec les autres coureurs de Michel Voynard, Tanguy Martin, l'ancien vainqueur de Coupe Vert de Côte de Bretagne. On salue également pour l'arrivée nos amis de l'Enclume, de la carte de France et Lyon, pour des Mérotos.
On en termine avec le sourire, je pense notamment aux sociétaires du team Bertin, je pense à Florian Richeux qui est le deuxième et quatrième de cette organisation du Plintel-Plintel, le fils de Didier Richeux. Deux autres concurrents, cette fois-ci avec quelqu'un qui a connu la malchance à l'intersaison puisque...